Oh, siamo pas bene ici? Sì, generico. És a Merlet 1850 quand en retrobalisa. Mais dins aquest evaqui muntanyou, anaren tamben din d'évolui, descubriren lo botaniste Dominique Villard de Nouillet et faren un homenatge à Rémy Fortoul de Jouzier. Mais tout d'un temps, faut retrouver Joseph Bernard Raymond, Joujou, comme ils disent, le décan de la station qu'a mai de 80 ans à Papou de Davala de la Montagne. Joujou, si es vertadier amène, un homme est d'ici. Avait toujours vécu ici. À tout doute, tout doute. Dès qu'il y avait à Passateng. Et garda les vases qui est tout fort qui. Venir ramasser le feu d'un kaki. Je occupais dans la main et puis au devant la main le de mieux pour soigner les bêtes libertes et vivre. Après le ciel, le montavant, les vases. Avant de devenir horsière Merlette, il y avait uniquement horsière. Au village d'Horsière, Jean Barge de la Vallée. Pour vous dire, Merlette, il y a 10 de route, il y a rien. On ne peut rien faire la station. Alors, il commence à faire la route. Et après, en Bastille, une rotonde, qui est en bas. Il avait créé la station de ski ici. Bien, mal qui c'est que la Merlette qui s'appelait le lieu. Par contre, la veine appelait la station de Merlette, aussi la Merlette. Et avait fait partie de l'équipe des DJs qui l'ont vertadièrement créé dans cette station. Eh oui. Et participant à toutes les réunions, et le maire de l'époque, quand on dit on va tracer les remontées mécaniques, le maire leur a dit, vous allez prendre Bernard, il connaît bien le terrain, il vous dira où il faut tracer les premières remontées mécaniques. Alors l'équipement venait me peindre et avait tracé les pistes, les remontées. Ça y est, bien connu sur le terrain, peut-être les remontages que de faire bien les pistes de ski, qui sont bonnes, et créer le score de ski. Et après, je dirigeais le score de ski. Et puis après, là, il y a un bâtonnant directeur qui venait de Saint-Bonnet, qui faisait l'aire de ski. Alors, on restait au bureau et je en ai donné de cours. Et... Si on arrive, c'est veille d'évoluer d'après qui? Oui, c'est veille d'évoluer, mais derrière. Elle est partie d'évoluer, c'est une autre station, mais une autre endroit, et c'est juste à Costa, une reportage d'Eliane Tourté. Alors, si on est ici sur un cerf où l'on veille bien tout le dévolu. La montagne qui est l'amont, Pimpounsou, qui est le bout du pic de Bure, qui est l'emblème même du dévolu. Ce n'en est un peu à gauche, vient la plane. Après, le col de Rabaou. Après, au-dessus, la plate. Et ici, c'est à la Joue du Loup. La Joue du Loup fait partie du dévolu. Deux stations, la Joue du Loup, super dévolu, qui font un seul domaine de ski, qui fait 5 km de piste et 35 km de ski de fond. Alors, regarde bien la Joue du Loup, c'est que c'est une station différente de super dévolu. Elle s'est construite après. Super dévolu 1976, la Joue du Loup 1976. Des ans après,
mais un concept différent. On n'avait pas de chalet, que veillez à qui, et qu'il y a une jolie station. Des débourreaux à Kouneissul ou Koumensamène des stations de ski en dévorui. Aprengé à faire des skis en Savoie, où t'es passé sous Munitura en 1966. Eire, c'est retiré de l'agriculture, mais fugué toute sa vie pluriactive, Munitour et paysan. C'était une révolution, arriva à qui. Era le moment 1966, c'est le moment où era en pleine expansion. Alors, cherchavons de caire pour habiter une station, et en l'occurrence, à qui c'était le grand travail de Marcel qui en fait à quoi. Je me rappelle bien le premier voyage que mon père m'a amené à faire des skis ici. Era un pas gros, il y avait des skis tout en bosque, era un pas comme vu. Era complètement estonné de voir quoi. La première voyage, il y a qu'une cabane en bosque. Tant de monde, il n'y a jamais vu ça quoi. Mon père m'a toujours dit, verriez, un jour, Saint-Estève serait Chamonix. Elle sera trompée, le pauvre. C'est pas passé comme ça. Ah, il y a des travailleurs, ouais, quelques-uns. Au Perchman, au tout début, en 73, 74. Je n'ai pas fait mon métier ici. Il préféra continuer avec de mon père, qui est artisan dans la vallée. Il faut surtout de maison nouvelle l'estio et de rénovation de vieilles maisons vertes. Vous imaginez un peu 1000 appartements, un scandale à questo bar perdu une nécessité per d'autres, que 1000 pavillons auraient presque une place terrible. Quand tu es au Jouve, dans les années 70, à peu près, tu fais une saison au supermarché. Et après, tu travaillé 12 ans dans l'entretien des bâtiments. Et c'est gigantesque, mais c'est bien quand même, parce que le monde arrivait, posait sa voiture, déballait tout son matériau et ne quittait plus rien. Le jour de l'esquis, il entrait au ski à 6 heures, habitait les pantoufles, à d'abeiller l'apéro, faire des courses et tout. Et era très bien fait. Peut-être rappelé pas bien beau, mais finalement, era quand même pas mal. Era la nouvelle idée de la propriété et les grands travaux de Marcel qui en inventa co s'appelle la multipropriété. Era vendu semaine après semaine à l'ouverte, mais promesse les cieux. Fait qu'il y ait de monde et de travail pour toute la saison. S'il n'y avait pas un gueux à l'estation, créer qu'il y aurait plus d'un gueux, enfin, à part les paysans, mais voyons. Guerre de monde, et eux, pour le premier, serait opposé ici. Quoi. Je suis d'ici, elle va toujours toute ma vie de fiers. Et. Bleu serait resté pour élever la fiesse, mais en Baco, elle va rester de joves. Et bleu, qui je serait pas resté. Est-ce que tout le monde se peut dire en profita? Eh bien. Bien de monde en a profité, mais malgré tout, la population n'a pas augmenté malgré la station. Vous m'avez très troubade. Vous. Alors, explique-moi au Karen. C'est bien compresse à la création de l'estation d'Orcières-Merlette. Oui. Appartenait à la commune. Et à la commune, qu'on faisait marcher, qu'il y avait les employés, qu'on boutsava, qu'on déboutsava. Mais ça y est, les pistures, ça y est quand même, qu'on faisait bien. Et bien, 400 ans, avec un particulier. Que... Rémi Loisir, qui a plusieurs stations, il y a les pistures qui se sont montées à part. C'est la commune, et le service de pistes qui s'occupent de vélos et qui s'occupent de damages, de tout ce qu'on fait d'empouillant. Par exemple, qui le forest, il n'y a pas la commune qui l'a fait. Ah. La société Nestlé. Hey. Chocolat Nestlé. Alors, il y a fait le forest et distribuait
de Boisselou, Tsao de Lucho, Tsakura. Mais à Vure, alors à Vure, après, c'est un particulier. Et toute la nade, c'est pour faire des causes différentes aussi en Merlette ou est-ce qu'il y a même les skis? Eh bien, le ski, il y a la piste qui monte, mais il y a beaucoup de promenions qui montent en paix. Alors, le ski, il y a ici dessus, derrière la creste, qui il y a 7 ou 8 lacs de montagne. Mais de beaux lacs. Hein. Et puis, alors, il y a des truites, il y a venant à la pêche, venant à... Et puis, il y a un courant de sage dans le monde, mais où est-ce pas dire quoi? Et quand il faut jouer le pastre ici, c'est qu'il faut le pastre garder le. Tout un estiu que au gauche, a eu trapa les édelouets sous le couroutsar, mais où ils ont médit. C'est que dans le temps, ils vont arracher la plante, alors si vous n'êtes pas, ils vont falloir en zot. Le pochinko, mais ça est estiu, qu'il y a rien de néo. Grand merci. Oh, bah. Bon, il n'y a pas des skis par d'avala, mais avant de continuer l'émission, vous serez pas osé d'éveiller un reportage d'Eliane Tourté, qui est une botaniste qui s'est dit Dominique Villard, qui venait des Noyers au siècle des Aïeux, et qui a écrit un livre qui s'est dit Las Plantes do Dauphina en 4 volumes. Mais il est gai reconnu et une chanson. Si vous avez des antispasmodiques, des révulsifs, de l'asthme irritant, bol de carnivore, de gâtis, voilà ce qu'il vous faut. La tisane du pé de chinièvre, la décoction de racines de gentiane. Bien sûr, c'est à faire sérieusement, sinon. À qui allons-nous nourrir? Mais le village s'appelle le Vierard. Avec la plaque, à cette bataille, qu'il y a à peu près des gens, donc il fait 70-72 ans à peu près. C'est à cette inscription sur la maison où tu es né ici que se souviendrait du grand botaniste Dominique Villard, enfant de Nouyer. D'abord, tu as fait le pastre, gardait ses agneaux, après qu'il y ait les montagnes, c'est qui qu'il y ait le flux. Et puis, il a été dirigé pour la médecine. Pour voguer un créant une maillune d'écomusée ou en chansau, chasser une idée per chaque village. L'unouillère s'est souvengé d'une des sioux, botaniste et médecine. Ainsi, naissait la maison de la botanique, Coussacraille, à Dominique Villard. Dominique Villard est né ici en 1745 et mort en 1814. Il resta ici. D'abord, dit qu'il y a 20 ans, puis après, il est à Grenoble, mais venait de Viades. Et tout de suite, il les montagnes, et en faisant le pastre, après envie d'étudier les flours. Et ensuite, la femme se moustille. Pour une ménade au chansa ou faire des études au siècle des AUE est bien compliqué. Dominique Villard a eu la fortune de rencontrer Dominique Chex, prêtre et père au botaniste. Vegué sa vocation scientifique, elle le recommandait pour étudier la botanique à Grenoble. Ça se forma peu à peu, avec vous-même et puis. Il fait quand même des studies de médecine à Grenoble, puis à Valence, même à Paris. Il a sûr une belle carrière. Il s'est intéressé à beaucoup d'œuvres, la botanique, la médecine, puis la géométrie, même la paléontologie. Mais non, malheureux, ne prenez pas cela. C'est pour soulager les douleurs d'estomac, surtout chez les femmes. Un homme des Lumières, Dominique Villard s'intéressait pérenne à des problèmes sociaux, comme la maratier, l'hygiène ou un cas la pauretta. Ah non, vous n'avez pas pris de narcotiques ou de stupéfiants, j'espère. À l'époque, les gens s'intéressaient pas aux gens que travaillaient pas la terre, étaient privés de rien du tout. Alors, s'intéressaient pas, étaient partis lieu, ma foi. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient devenus. Et les gens ne savent pas trop de qui est. Blanc Pomitz, d'où la l'association a été fondée.